Bonjour à tous, ici TRP2W2. Je vous montre rapidement une vidéo, bon elle est quand même assez longue, mais c'est le boudoir en extrême. Il est relativement difficile, moins compliqué que l'hôtel de la folie, puisque les zones sont plus facilement esquivables et un peu moins buggées. Mais je vous laisserai voir par vous-même, donc j'essaie de couper un peu la vidéo. Vous voyez le combat contre Léonard et contre Trisha, les deux principaux combats, le reste, voilà, le gatekeeper il sert pas à grand chose, et puis bon les petits passages de trash ou quoi ça sert pas à grand chose non plus, mais moi ça vous permet d'avoir une petite idée et c'est quand même nettement plus simple. Je tiens à noter que Toys dans la vidéo a quand même une arme rouge attribut 10 qui aide grandement au DPS, mais vous pouvez le faire en stuff PVP comme les autres joueurs avaient, c'est juste que c'est un peu plus long et que voilà faut éviter les erreurs.
Et donc ici, voilà, comme convenu, le combat contre Trisha, rien d'exceptionnel, la même chose qu'en mode normal pour ceux qui l'ont vu, ou comme en difficile, elle fait une zone, là vous voyez, allez vous en partez, une zone qui commence autour d'elle, qui grandit, de toute façon, tous les skills en mode extrême vous font one shot, les auto-attaques tapent à 120 000, donc si vous avez 120, un peu plus de 120 000 points de vie, vous pouvez résister à une auto-attaque, mais faut pas trop insister, parce que si ça crit, vous êtes mort. Les chauves-souris, pareil, vous n'arrivez pas à les tuer, du coup Trisha elle regagne un peu de vie, donc c'est un peu long. Et pareil, quand vous avez les 5 minutes, parce que vous pouvez pas le tomber en moins de 5 minutes, vous avez Zaken qui arrive, ça devient un peu plus compliqué, puisque vous êtes plus que 4 à DPS dessus. Et comme vous voyez, Trisha fait extrêmement mal. Les auto-attaques, ça one-shot tout le monde. Voilà, faut juste taper, esquiver toutes les zones. Là, vous voyez, j'ai pas mal d'aggro, donc j'essaie de mettre les zones toujours dans le même coin, comme ça mes alliés peuvent taper le plus longtemps possible dessus. Et voilà, vous voyez les dégâts que je fais, ça fait du 10 000 et 25 000 en crit, c'est pas énorme, mais voilà, j'ai quand même énormément d'attaques, mais ça suffit pas. Voilà, c'est juste un combat qui est très très long et il faut éviter de faire des erreurs. Si une moindre erreur, ça pardonne pas, ça vous one shot.
En tout cas, merci d'avoir suivi ces petites vidéos. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste pour vous montrer que les extrêmes sont possibles à finir au niveau 180, mais sont quand même relativement compliqués. Il ne faut pas avoir un groupe bas level, quoi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos. D'autres viendront et au prochain décap qui arrivera début mai, vous aurez énormément d'autres vidéos sur les nouvelles instances, les nouveaux donjons, les nouveaux équipements quand tu auras l'UR, quand tu auras tout ça. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt en jeu.